J'espère que vous allez bien, mes petits amours. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tant attendue, donc la vidéo que vous attendez tous et que j'attends surtout extrêmement fort, c'est la transformation de mon studio, beauté, skincare, make-up, ma pièce YouTube, mon bureau, parce que ça va être ma pièce à moi, tu vois, où je vais pouvoir faire ce que je veux dedans. On va faire la transfo ensemble. On se retrouve pour la première partie, donc où on va un peu aménager. Je vais vous montrer l'avant qui était pas à mon goût, qui était pas à mon goût au niveau des tapisseries, etc. Parce que moi j'aime bien le lumineux. Donc voilà. En plus, on a eu des péripéties. Ça veut dire qu'on a eu une fuite à peine arrivé dans le studio. Donc le dressing que j'avais à l'autre maison a gonflé, a pris l'eau et mort. Et voilà, j'étais vraiment dégoûtée. J'ai dû retourner à Ikea, sauf qu'ils ont plus de tiroirs. Ils ont plus les tiroirs verts, ils ont plus les plateaux coulissants, il y a tout qui est en rupture à cause du coco. Donc j'ai dû me résoudre à faire des étagères comme ça. Mais je te mets une photo de ce que je veux juste ici. Et au final, c'est peut-être pas plus mal. Après ça, il y a un peintre qui est venu aussi, qui fait mon studio pour que ça nous fasse gagner du temps. Donc cette vidéo devait sortir bien avant. Sauf qu'il est venu, il a tapissé au-dessus de la tapisserie qui avait déjà qui était verte. Et du coup, on voyait encore les fleurs à travers. Il m'a... Ah, je me suis mordu la langue. Il m'a fait des coulées partout, il m'a fait un calvaire. Il a dû tout reprendre et aller voir si on pouvait repeindre dessus. Donc on est passé d'un papier peint luxe pailleté à une peinture blanche. Bref, mais moi j'aime beaucoup. Donc mes amours, c'est parti pour tout aménager avec vous dans un premier temps. Ensuite, on fera les rangements de ma skincare. Et j'ai beaucoup de cartons de make-up et de skincare à ranger et tout. On va faire ça tous ensemble. Milou, elle va m'aider parce qu'on est mercredi et qu'elle n'a pas école ce midi. Et voilà quoi, après je crée le, j'ai envie de dire studio tour, pièce tour, bureau tour, je sais pas comment, appelle ça comme tu veux, en fait je m'en fous. Bref les amours, avant de commencer la vidéo, je sais que l'intro est un peu longue mais moi je parle beaucoup. Tu t'abonnes à mon compte Instagram qui se trouve juste ici, ainsi que mon compte TikTok que je te mets juste ici parce que je partage énormément d'avant-premières. Donc voilà, si tu voulais voir, fallait venir avant. Mes amours aussi, en commentaire s'il vous plaît, dites-moi si vous kiffez mes cheveux, j'ai du mal à m'habituer mais je pense que j'aime. Mais c'est quoi le problème? Mes amours, du coup c'est parti pour vous faire montrer mon studio avant. Donc ça, c'est comment il est de dehors. Petite baie vitrée devant, juste à côté c'est ma maison de toute façon. C'est parti. Donc là mes chéris, en fait quand vous rentrez dans mon studio, alors attendez parce que j'aime trop. Donc de ce côté, on aura la baie vitrée, je vais pas vous montrer non plus le devant de chez moi, mais... Si jamais j'ai envie de faire coupe aux toilettes, je peux. Bon, c'est le bordel, hein. J'ai eu ça parce que j'avais reçu le dégât des eaux. Jour 1982, mes amours. Cet amour qui se trouve juste ici a tout fait pendant que je bossais. C'est vraiment un amour. Ça me touche. Ouais, ouais. Ça me touche, mais tout à l'heure, il a dit qu'il était triste de vivre avec moi. Enfin, bref. Donc là, mes amours, il y a tous les meubles qui ont commencé à être montés. On vous a épargné le montage parce que voilà. Franchement, même pour nous, ça nous saoule. Donc, j'imagine même pas pour vous. Mais c'est parti pour tout aménager. Et puis voilà, après on va mettre tous mes produits skincare dedans, mon make-up, vous allez voir, les cartons. Ah, calme-toi. Les cartons sont vraiment, archi bourrés. Oh la gueule. Regardez cette chaise, je l'ai achetée sur, je vous dirai à la fin de la vidéo, parce que je pense un luminaire en verre, enfin deux du coup, et il faut tout monter, genre ça arrive en pièce détachée, j'ai le seum. Oh, je vais galérer, c'est quoi ça? Tous les cristaux en verre, ils sont à part dans des pochettes. Oh non, c'est un puzzle. Carrément, là j'ai tout enlevé et tout. Faites pas attention à mes chaussettes, j'étais dehors en chaussettes. Carrément, on doit mettre des gants. C'est uniquement un dressing de skincare et de make-up. Mon rêve. Oh non! Je vais pleurer!
Donc mes chéris, voilà. Ensuite j'ai deux meubles comme ça. Oh là 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 là, si je peux pas mettre tout mon... Oh là là, si je peux pas vous faire des vidéos de fou. Oh, un rêve, un rêve qui se réalise. J'y arrive pas à y croire que j'ai le droit à ça. Et en vrai ça revient pas cher de faire ça, hein, mes amours. Vraiment, il faut juste acheter des caissons et des planchers qui ont. Et voilà quoi. Bon bref, on se retrouve quand c'est fait et comme ça on va commencer à ranger. Ah ouais. Arrête. Il voulait pas me taper parce qu'il était en vidéo. Ça a commencé hein. Ah. Bon mes amours, du coup là c'est bon, on a tout monté, le lustre. Voilà, enfin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer tous les meubles. Donc là, je vais vous mettre des petites séquences, mais tu verras dans le même temps, je vais pas tout te spoiler. Hein. Et avec Lilou qui se trouve juste ici, derrière la caméra. Donc là, c'est parti, hein. On va commencer par mettre le coin là, parce que le coin là, ça va être le coin bureau. Tu vas le mettre là? J'ai un marteau piqueur. Tout va bien. Je sais pas encore où je vais mettre ça par contre. Ça. Tu vois comme chez les docteurs. De toute façon s'il y a des trucs qui vont pas, vous me dites en commentaire et je modifierai. Oui. Bonjour madame, vous avez rendez-vous à quelle heure? 3h30. Avec quel Ah, tu vois. Avec le... Vous avez parlé, bon, déjà j'ai pas de chaise. Avec quel praticien? Anus.fort. Anus.fort? Alors, je regarde dans mon carnet d'adresse. Venez pas son temps en salle d'attente. Allez, dégage, dégage! Il est 14h30, c'est ma poste-déj! Mes amours, par contre, j'ai reçu un colis Lancôme pour la Saint-Valentin. Il est trop mignon, regardez. Déjà, il est trop cute avec des petites cartes. Il y a d'autres petites cartes comme ça. Et là, on a deux rouges à lèvres. Sublime. En velours. Il suffit de cliquer et tirer le raisin. Et le raisin, il est en forme de cœur. Je veux voir. Waouh. Incroyable. Franchement, en plus, les teintes, elles sont trop belles. C'est des mats, mais crémeux. J'ai hâte de les tester. Franchement, merci beaucoup, Lancôme. L'honneur, non, j'ai l'honneur de mettre la première pièce dans mon dressing skincare qui sera mon coffret Lancôme parce qu'il est trop beau. Magnifique. Là, ça y est, j'ai ramené tous les bacs de rangement. Donc, il y en a là, il y en a là. On a quoi? On en a là et il y en a encore. Donc, tous les bacs de rangement, là, ça vient de chez... Coucou vous, je vous aime. Mes amours, j'ai reçu un peu de colis. C'est que des colis beauté. Donc j'ai tout mis ici, comme ça on va pouvoir les ranger. Et arrête de ronfler toi. Ils sont au soleil, ils sont grave bien. Ils me suivent même dans mon studio. Je suis jamais tranquille. Comment voulez-vous que je sois pas allergique? Posez tout par terre, je vous en prie. Merci. Très bonne journée. Ça ouvre tous les cartons skincare. Objectif, trouver tous les rouges à lèvres pour ranger dans les rangements. Et comme j'ai dit sur Insta, du coup restez à l'affût parce que je vais vraiment vous faire des concours de malade. Donc abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi à Insta. Franchement, je vais vous faire des lots énormes, vraiment. Parce que c'est là que je me rends compte que j'ai reçu vraiment beaucoup de choses. Bon, j'en achète aussi beaucoup. T'es maté. Incroyable quoi. Oh mes amours. Mes petits amours, je vous aime. Vraiment, j'ai envie de vous faire des câlins. Venez, venez me faire un câlin. Je vais vous faire un câlin comme ça à cause du Covid. Mais moi j'ai pas les joues comme ça. Moi. Mais moi j'ai pas des câlins comme ça. Oh Lilou. Allez, c'est parti, let's go. Je suis la première à avoir trouvé 50 euros. Voilà, on vient un moment, on met un moment. Pourquoi? Je suis trop excitée, je vous jure. Vous allez dire elle est folle, mais vraiment c'est sensation que ça me fait. Alors, de toute façon vous me connaissez. On va ouvrir le premier carton skincare. Ça fait presque 2 mois qu'il est en carton. Ah, oh, je me suis tournée long. B-A-T-A-R-E-D.
A-T-A-R-D, oui. Alors, qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur? On avait une fourrure pour protéger le tout. Lilou, filmez-moi bien, s'il te plaît. Oui. Wouah! Non, j'arrête. Non, mais là, ah, non, là même moi, tu commences à me faire peur. C'est pas mon meilleur. C'est tout ce qui est bain de pied et tout. J'ai le meilleur. Le masque. Oh là là. Oh là là. Râle. Non. Mais non. Mes amours, il y a un des cartons de masque et il y en a deux comme ça. Il y en a deux? Moi ouais, je crois. Je te pique, je te pique, je te pique. Je te pique. Mes amours, je me calme. Désolée si je suis gênante ou énervante, mais. Non, mes amours, je. Le lendemain, avec Lilou, on a galéré toute la journée d'hier. Et là, on est sur un avancement plutôt pas mal. J'ai pas envie de tout vous spoiler, mais vous voyez, il y a encore du bordel à ramasser. Il y a ce carton. Tout ça, c'est de la poubelle. Là, il n'y a plus que ça à ranger. Tous les cartons sont vides et mis dans le jardin et mis devant mon studio. Et bref, j'ai pas du tout spoilé. Mais franchement, j'ai bien avancé. Et aussi, je vous ai fait 3 sacs comme ça. Donc 3 sacs qui sont remplis de produits, mais vraiment tout est neuf, tout est emballé, jamais utilisé. Et je vous en mettrai encore d'autres, ça pèse une tonne, donc il y a 3 sacs comme ça. Je vais faire des concours énormes, donc si jamais ça vous intéresse, suivez-moi encore une fois sur Insta. Et, être abonné à ma chaîne et je vous jure, je vais vous faire des trucs pépites. Il me reste, je viens de recevoir un colis Tarte. Oh, regardez, c'est magnifique. Et en plus, non, je l'avais reçu hier, celui que j'ai à vous montrer. Et celui-là, je viens de l'avoir à l'instant. Mais Tarte, Tarte, vous êtes géniaux. Regardez, il y a des produits de fou. Oh là là, oh là là, j'ai trop hâte de tester. Ouais, mes amours, on va finir tout ça. Et on se retrouve pour le tout. Bonjour. Tu te crois où toi? Vous avez rendez-vous? Oui. Avec quel praticien? Charles-Henri Edouard. D'accord. Il y a des cheveux longs. C'est pour un problème de pénis? Oh non non. Veuillez patienter dans la salle d'attente s'il vous plaît, je vous en prie, il arrive. Ok. J'avais toujours rêvé, mes amours, de faire ça. Vous savez. Mais c'est bien, on est parti pour vous faire un tour de mon studio YouTube, enfin de ma pièce de travail en gros. Et surtout de mon dressing skincare. Ça y est, c'est terminé enfin. Donc je vais pouvoir tout vous montrer en détail. Alors, mes chéris, c'est parti. Déjà, sachez que j'ai une dégaine à faire peur à un mort. Ah, les chaussettes quand même, j'avais pas vu. Ouais, tout. Parce qu'il fait froid sur le carrelage. Mes chéris, parce que je m'en fous. Ici, on est là pour juger la beauté de ma pièce. Donc, je voulais pas lui faire de l'ombre. Je me suis dit, si je me fais belle et tout, vous allez regarder que moi. Et moi, je voulais que vous admiriez ma pièce. Allez, c'est parti. De travail, ça donne comme ça. C'est un... Je vous spoil un peu l'arrière, mais c'est trop beau. Et de ce côté-là, du coup, ça donne comme ça. Je vais montrer. Hop. Des plans, hein. Il y a juste là où c'est un peu à bordel parce que non sérieux je stocke tous mes bacs parce que vous allez comprendre après. Bref, on commence par le bureau. Du coup ce bureau là je l'achète à Ikea. Je sais que vous m'avez beaucoup demandé sur Insta. Et en plus c'est trop bien parce que là je suis face à, une baie vitrée qui donne dans une devanture de chez nous. Et après il y a notre portail. J'ai mis un petit pot où je vais mettre mes stylos etc. que Lilou m'a volé. Non.
Ensuite, j'ai mis cette petite enceinte que j'ai reçue de la part de Divoom. Elle est trop bien, elle fait réveil, enceinte, etc. Du monde, cette petite tasse trop belle. Attendez, je vous la montre. Avec des effets sirènes comme ça de chez... De chez quoi? Elle l'a acheté où ça? Très working girl. Working girl. Working girl. De chez Confo. Avec mon petit truc Starbucks de chez AliExpress. On va faire semblant de rien. Ensuite, il y a ce tapis qui est grand. J'ai pris le grand modèle et qui est grave doux. Pareil, c'est un genre de... sans fourrure, en fausse fourrure. Et je l'ai acheté chez Confo en solde à moins 50%. Je sais plus à combien je l'ai eu, mais genre je l'ai eu grave pas cher. Là, on a du bordel parce que j'ai pas encore eu le temps de ranger. Mais cette trousse-là, elle sera remplie de stylos. Et ici, il y a mes deux agendas où je mets mes plannings YouTube et tout. Ici, j'ai mis cette lampe. C'est la même que dans mon salon parce qu'elle est grave bien, avec du doré. Et une plante de chez Lidl. Elle vient de chez Ikea, celle-là. J'essaye d'aller vite, mes chéris, parce que moi, ça me saoule de parler pendant 15 ans. Ce lustre, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu à quel point il m'a fait galérer, qui est arrivé en pièces détachées. Pièces détachées. Voilà la beauté. Cette tour... que j'avais déjà... Pourquoi tu caresses ton meuble comme ça, toi? Dedans, du coup, mes produits. Viens montrer, parce qu'ils veulent tout voir. Ils veulent tout voir, ils ont dit. Tu viens. Mes produits pour les lèvres et tout. Mais ça, c'est juste une petite partie. Mes produits pour les yeux. Ok. Mes travel products. Travel products. Les petits produits de voyage parce que je suis fan de bébé choses. Tout le monde le sait, eux, c'est pas un travel. Ici, encore des travel products. Ici, de la... des palettes. Ok, des palettes. Voilà. Là, il faut zoomer. Ici, c'est tout ce qui est sérum et crème hydratante. Enfin, c'est tout ce qui est. C'est une partie que j'ai pas su ranger. Ici, on a du make-up pour le teint. Là, on a tous les masques. Enfin, on a que des quelques masques. J'en ai marre de dire tout, mais mon dressing à skincare, il est là-bas. Et là, c'est les paillettes et tout que je me sers sur TikTok. Voilà, ensuite ici un très beau vase Action avec l'intérieur qui vient de chez Maison du Monde, hein, on abrège. Mais c'est bon, bah... même quand la façon de boire, elle se croit, non. C'est comme dans les films, en plus, j'ai du vin. Voilà l'espace couloir, et ça vous allez voir parce que c'est où je vais filmer bien souvent, je pense. Tranquillement devant, je vous fais une vue d'ensemble. En fait, on a mis deux meubles de chez Ikea, deux meubles Kallax, et mon chéri m'a mis des petits pieds qu'on a achetés à part. Or, toujours à Ikea, et là il y a une étiquette en plus sur le pied. C'est ridicule. C'est pour la référence. Et là, j'ai mis un peu de déco. Alors, pour vous dire, peau de chez La Farfouille, j'ai mis des cotons dedans, un petit sérum que je trouve trop beau, une brume Victoria's Secret parce que c'est à base, une petite bougie. Ça, je l'ai acheté chez Action. Ensuite, il y a mon trophée des 100 000 abonnés YouTube. Parce que c'est ma pépite, je l'aime trop. Même si maintenant on est presque 1 million, c'est un truc de fou. Maintenant il y a ce petit bougeoir avec des bougies roses. Parce que je vous ai pas dit, du coup ici j'ai mis beaucoup de touches de rose. Comme c'est ma pièce et je l'ai pas fait à l'intérieur de chez moi, je fais gold, noir, blanc, beige, ce que tu veux. Mais là j'ai fait des petites touches de rose. Des bougies qui viennent de chez Action, ainsi que le lustre. Ici avec mon luminaire, il est beau. Là j'ai mis une petite coupelle avec des produits de Pauline Jo que j'avais eu dans mon calendrier d'avant. J'ai mis une petite boîte avec tous des produits ultra kiki que j'offre comme ça quand on vient au rendez-vous pour le penny. Et qu'on est sage. J'ai dit penny. C'est un penny, j'ai dit. Laisse-moi. Mais vas-y. Pour faire rire sa tête. Très vulgaire. Un penny. C'est vulgaire. Un penny, c'est une monnaie. Hein. Une monnaie. Très vulgaire. Ta monnaie. Deux boîtes qui viennent de chez La Farfouille, ils sont trop bien. Et dedans, j'ai mis des petites capsules pour créer mes masques, des cotons, et puis des cotons de chiche, des sérums et tout, de vernis et des trucs Victoria's Secret. Ça, c'est un vase de Maison du Monde. Je ne l'ai jamais mis dedans parce qu'après, ça fait trop charger. Mon néon, vous le connaissez, il est trop trop beau. C'est un néon qui a été fait sur mesure par, par Kodooki. Voilà. De toute façon, ils font les néons de tous les youtubeurs et tout. Donc, c'est les meilleurs néons. Ils sont grave bien. J'essaye d'en avoir un pour la pièce gaming de mon chéri. Ma machine à masque, vous la connaissez, je fais tout le temps des trucs avec sur TikTok. Et là, c'est mon frigo à skincare qui n'est pas encore rangé. Il n'est même pas branché en plus. Non, il n'est pas. Ah, bah c'est lui le câble noir.
Là mes chéris, du coup il y a tout ce qui est patch pour les lèvres, tout ce qui est patch pour les yeux. Et pareil, j'ai mis dans des petits bacs comme ça, et comme ça ça me fait un meuble de restock. Des nouveautés que j'aime recevoir. Là, pareil, c'est des nouveautés que je viens de recevoir. Ici, c'est tout, des petits blenders, des petits trucs pour mes skincare. Et là, pareil, il y a tous mes accessoires, mes ice globes et tout. Là, c'est les agendas de mes copines. Là, il y a des trucs. Et là, je les ai reçus aujourd'hui, donc je les ai mis là. Bref, on voit ce que ça donne. Putain, mes explications, elles sont éclatées au sous-sol, je vous jure. Vous m'excuserez, il y a vraiment beaucoup de feuilles à terre. Mais j'ai pas eu le temps de le faire, on n'a pas eu le temps de le faire encore. Mais on passe à l'espace dressing skincare, vous allez voir. Il est trop trop. Là c'est notre étagère, j'ai mis un petit senteur Rituals et un autre, comment ça s'appelle, chandelier. Ça c'est pour dégager les mauvaises ondes. Et là-dedans, dans ce meuble-là, en fait, c'est tout des fossiles, des choses que je dois crash-tester sur TikTok, des trucs que j'achète pour justement crash-tester sur TikTok, pour me paillettes, des trucs pour mettre dans les cheveux, enfin vraiment. C'est vraiment l'oreille qui m'a fait faire 25 millions de vues sur TikTok. Je vous jure, je vais la mettre en cadre, c'est sûr. Et bref, voilà, c'est... Ah là, c'est toutes mes palettes, par contre. Ça va jusqu'au fond, mais le miroir, il gêne. Enfin, une partie de mes palettes. Et là, c'est ce que j'ai laissé pour des concours pour vous. Même tapis qu'à l'entrée, sauf que cette fois-ci, c'est un plus petit modèle, mais il est toujours aussi beau. Petit pouf bouclé de chez Maison du Monde. Et là, on a la grande baie vitrée qui donne sur la piscine et sur une autre partie de la terrasse, que ce que je vous disais. Et là, du coup, il y a une petite terrasse pour moi où je vais mettre, je vais aménager pour cet été, parce que c'est grave bien. Et là, il y a le store. Vous fermez comme ça. On passe à mon dressing. Skincare make-up que vous attendez le plus et que moi j'attendais le plus, donc voilà, je le présente. Il s'appelle Charles, franchement je l'aime trop. Et là c'est Lilou qui dort, hein, faites pas attention. Ah non, elle est en train de manger une chaussure. Lilou, t'as pas, tu te caches. J'avais dit qu'on devait pas te voir dans la vidéo, j'avais dit qu'on devait pas te voir dans la vidéo. Voilà. Non mais les amours, vas-y Lilou, sors de là, hein. Lilou, elle va vous présenter mon dressing skincare. Vas-y Lilou. Trop beau. Franchement, je l'ai rangé. J'en suis trop fière parce que je l'ai rangé par couleur. Je l'ai rangé du fait que je voulais qu'il soit pastel. Donc j'ai tout mis en œuvre pour que ce soit pastel. Et c'est pour ça que le reste, tout ce qui n'était pas pastel et tout, enfin il y en a quand même, mais j'ai tout foutu là. Donc là en fait, Lilou, on a mis quoi? Ah, pour commencer, déjà en haut. On a mis des masques parce que vous allez voir dans les tiroirs, il y avait plus assez. Bah vas-y, présente, vas-y. Vas-y, j'ai mis des masques, mes amours, bref, c'est des masques, ok. Et là, j'ai laissé un truc vide parce que vous savez à quel point j'arrive pas à pas acheter de masques. J'essaie, on va me dire surconsommation. Je le sais, je mets en œuvre, mais c'est ma passion. J'arrive pas. Jean-Gilles, que tu fais tout fait, c'est pareil pour ma chambre. Tu dis que je vais présenter, finalement, je vais pas présenter. C'est moi qui présente. Alors ici nous avons des rouges à lèvres et là des gloss. Mes amours, là j'ai vraiment tout rangé par marque et tout. Donc là c'est tout ce qui est fancy, c'est trop beau. Fancy, 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 café début. Et alors, tu veux mon doigt? Ouais, je viens un peu sur les... Oh. Les Fenty Beauty, les blushs. Ouais, les blushs crème. Non mais vas-y Lou, abuse pas, non, j'imagine pas, non. On passe ici, c'est tout ce qui est fond de teint. C'est tout ce qui... Deuxième étage, correcteur. Vas-y Lou. Correcteur, etc. Non mais il faut aller plus vite, il y a trop de choses. Correcteur, là des palettes, là des outils de skincare, là tous ces rouleaux de jade. Parce qu'il faut qu'on vous montre. Regardez, hein, c'est une folichonne. D'ailleurs, regardez, j'ai reçu celui-là dernièrement de chez... Non, Roland Jade, il m'a envoyé celui-là. Il vibrait tout, je pense. Je testerai. Je veux voir. Il a l'air trop bien, il combine deux trucs. Mon Lilou l'a bu. Non, mais... Est-ce que tu crois qu'il peut marcher tout seul? Allez, vas-y. C'est comme un tutu vélo. Les outils.
les outils. Non, ah, là, c'est un aimant pour attirer les haters. Oula. Voilà mes amours, et ensuite au-dessus c'est pareil, c'est des rouleaux, des spatules et tout, enfin des accessoires skincare. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Le tiroir qui fait parler beaucoup de monde sur TikTok. Mon tiroir à masque, cheveux, pieds, mains, visage. Jamais. Et là nous avons tous ces bandeaux, et ça c'est moi, il l'a fait, regarder. C'est tout des petits cotons pour nettoyer le visage. Réutilisable. Réutilisable, vu qu'on est très économe. J'adore. Ensuite. J'ai toujours hésité. Là, mes amours, du coup, il y a tout ce qui est. Nettoyant. Et ici, c'est tout. D'ailleurs, j'ai reçu toute cette gamme de chez Lancôme avec les crèmes, etc. Ils m'ont tout envoyé, j'ai trop hâte de tester. Ah, c'est trop ça, avec tout ce qui est épilation. C'est comment tu mets tes boutons de pied? Des bases encore, bref, des petits gels pour les mains et tout. Ensuite, ici, nous avons un ciseau pour te couper. Là, c'est encore une fois des pinceaux, mes amours. Là, c'est une boîte à fossiles. Non, c'est bon. Mais t'es trop longue. Là, c'est une bouteille pour boire. Comme ça, en mode... Oh, je suis riche. Vite, il surchauffe, il nous regarde. Goût de colle. Là, c'est le bac à quoi, Lilou? Le bac à... Bah, je vois pas. Donc, après, là, j'ai mis des petits manteaux parce que je compte pas mettre beaucoup de linge ici. C'est juste pour stocker. Et on passe à cette étagère-là, du coup. Là, c'est du baume à lèvres. Là, c'est pour le... Les produits bronzants. Là, c'est les nettoyants fraîches. Alors là, gros zoom, parce que c'est l'une de mes marques skincare préférées. Du coup, c'est tous mes produits fresh. J'aime trop cette marque. C'est... Du coup, tellement je les aime, je leur consacre un bac complet. Mais laisse-moi faire alors. Mais vas-y. Là, c'est tous des produits Ink Elephant. Drink Elephant. Drink Elephant. Et là, c'est la tourte maman pastel. Oh, il est trop beau. Avec tous des scrubs, des nettoyants visage. Oh, wow. Et des sérums en haut. Ouais, tout est beau. Tout est beau, des messieurs. Tout est beau. Eh, venons, on crée de musique. On crée de musique. Tout est bon, tout est bon. Et mon studio, tout est beau, tout est beau. Ok, c'est Yac, moi, que ça fait. Là, il y a tous les masques. Oh, pas tous, non, une partie, des masques que j'aime, que j'adore. Des masques. Pour qu'elle aime bien. Là, c'est des pinces qu'elle a jamais utilisées. Si, quand je me maquille. Des suppos compacts. Des masques compacts. Des masques compacts. Baume à lèvres. Là, c'est des bleus et crumbs. Des mini masques. Et des nettoyants. Là, c'est tous des produits pour le teint, mes amours, que j'ai reçus, que j'ai envie de tester. Des highlighters, les brumes fixatrices et les palettes, enfin les poudres et tout. Vas-y, je te laisse faire, hein. Non, vas-y, mais attends, là, on passe à l'étage que j'aime beaucoup aussi. Pareil, je leur ai consacré un limite un étage parce que je les aime trop, c'est Pixie. Et du coup, pareil, j'ai mis tous mes produits, donc mes masques. Regardez comme c'est beau, les toners. Et en plus, ils m'ont même offert pour Noël un produit Pixie avec mon nom sur l'étiquette carrément. Qui a ça, même? Qui a ça? Personne à ça. Là, je vous aime, Pixie. Prenez pas en compte les 2 secondes précédentes. Et là, notre petit bac avec les nouveaux produits à la rose et tout. Là, pareil, c'est les produits Morphe que j'ai testé, que j'ai reçu. Je dois dire que j'ai testé. Putain, j'ai qu'un visage, je peux pas tout tester, hein. Donc doucement. Et des petits trucs que je trouve trop mignons. Il y a le mien aussi, hein. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Là, mes amours, c'est tous les produits Tarte que j'ai reçus aussi. Pareil, de toute façon, je vous ai montré. Donc voilà, j'ai envie de tester. Et en plus, ils sont trop beaux. Donc pareil, je leur consacre un bac. On en est là. Vous avez presque visité tout mon studio. Sauf, du coup, ici, la salle de bain qui se trouve juste là. Non, elle est pas moche. D'ailleurs, je l'ai tout bien refait. Bon, mes amours, en fait, j'allume pas la lumière parce que sinon, ça fait tout jaune. Mais là, il y a une douche italienne. Et même qui va te laver dedans. Donc voilà, par contre, il faut que je change le rideau. J'ai pas encore le temps. Vous voyez pas bien, mais voilà, elle est toute carrée. Franchement, allez savoir. Ici, il y a mon petit toilette en suspension. Là, je me suis fait un petit bac de ménage parce que je suis tellement maniaque qu'il m'en faut un aussi, même pour ici. Bombe, ainsi qu'un petit néon love et du papier chiotte.
si je fais une skincare ou quoi, ben, quand je vais faire mes TikTok et tout, vu que je vais travailler dans ce studio et pas chez moi, et ben du coup je pourrais quand même me rincer le visage, quand même me démaquiller, je peux faire plein de trucs, donc c'est grave bien. Et là du coup j'ai mis des petits produits de massage que j'ai reçus, des petits cotons, des petits trucs pour le corps pour se démaquiller. Dans les tiroirs on a des shampoings, des trucs massants et tout, des crèmes, des démaquillants. Et deuxième tiroir, c'est tout ce qu'il y a pour les pieds, sèche-cheveux, lisseur, des vernis, enfin c'est pas très clean hein. Donc voilà mes amours, c'est terminé pour cette vidéo qui était un petit peu longue, mais au moins vous avez vu tout en détail de mon studio. Et franchement je suis trop contente. Vous savez pas. Non vraiment je suis trop émue parce que je l'ai enfin fini et c'était l'une des dernières pièces qu'on a fait parce que c'était aussi une pièce qui demandait énormément de travail, on a eu énormément de péripéties avec ce studio et du coup je suis ultra contente que ce soit enfin fini, c'est tout à fait ce que j'imaginais dans ma tête. Du coup j'attends vos avis en commentaire de me dire si vraiment vous kiffez ou quoi. Maintenant on a presque fini la maison, donc voilà il y a la pièce gaming qui est en cours mais je vais pas vous faire une vidéo spéciale pour ça. Du coup si jamais vous voulez voir un room tour global maintenant où je vous fais remontrer toutes les pièces une fois pour toutes, qu'on fait vraiment the room tour avec du coup la pièce gaming. Ça s'appelle un house tour d'abord. Ah oui the house tour, le house tour. Si vous voulez voir ça dites le moi dans les commentaires mes amours. En attendant j'espère que vous êtes contents que je vous fais montrer tout ça. Je partage grave mon intimité, pour moi c'est grave intime de vous montrer ma maison. Et d'ailleurs je l'avais jamais vraiment fait. Donc voilà j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Si ça fait plaisir n'oubliez pas de mettre un like. Et voilà. Par contre on va se retrouver pour faire un truc de fou. En fait c'est pas la dernière pièce, mais entre deux maintenant je vais reprendre les vidéos normales. Entre deux je vous montrerai d'autres vidéos de ma maison. Vous savez ce qu'on va faire. Je vais rester 24 heures dans ma cave. Et pendant que je vais rester 24 heures dans ma cave, je vais essayer de transformer ça en épicerie. Je vais prendre des meubles, du restock. Je vais essayer de faire une mini épicerie dans ma cave. Je veux cette vidéo aussi. Je vous fais des gros bisous mes amours, je vous aime. Mouah. À très vite pour une nouvelle vidéo.